Attends. Si on arrive à 6 photos d'affilée, mais je hurle. Salut tous mes petits poulets, c'est Kickmap, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et tout simplement aujourd'hui on va comparer le vrai du faux. En parlant de faux, je parle pas des seins Nabila, hein. Non, tout simplement on se retrouve sur un site où tout simplement on va comparer les vraies photos des fausses photos, tu vois. En gros c'est comme si je te montrais cette photo et cette photo, tu vois vraiment celle qui est photoshopée. Et bien, bien sûr c'est celle-là. Mais avant de commencer cette vidéo mes poulets, je compte vraiment sur toi pour me bombarder cette barre de likes. On va tenter les 7000 likes pour un nouvel épisode. Oui, parce que je sens qu'elle va me plaire cette vidéo. Et n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de mes cheveux. Voilà. Et puis sur ce, ben c'est parti. Alors tout simplement on commence avec la première image. Donc là c'est une fille qui est en apesanteur avec des petites jumelles. Alors moi je te dis tout de suite, ça c'est fake parce que tu vois les câbles à peu près là. Non tu les vois les câbles là, ça se voit pas mais tu les vois les câbles. Alors ça va être fake, tu vois, et hop. Et ben voilà c'est fake, et ben je te l'ai dit, il y avait des petits câbles qui bougeaient là. Ensuite là il y a une fille qui a les cheveux un peu en pétard, un peu comme moi. Voilà, c'est pour ça que je mets une petite casquette parce que j'ai eu la femme de me coiffer, bordel. Donc là, à mon avis, la fille a dû se retourner comme ça et ça a été pris au bon moment. Donc je pense qu'on va cliquer sur photo et c'est fake. D'accord. Ah ouais, j'avais pas vu les fleurs. Ah bah ouais, si on me dit pas tout, si tu peux pas faire grand chose, hein. Donc là, on est avec deux dromadaires. Non, c'est des dromadaires ou des chameaux? Ah non, il faut savoir parce que c'est deux trucs différents. Hein. Donc c'est un dromadaire, d'accord. Donc moi, je dirais déjà le décor avec les dromadaires, ça va bien parce qu'un dromadaire, ça vient un peu dans la région du Maroc et tout ça. Oui, je sais, niveau géographie, j'y connais, tu vois. Mais il y a un truc qui me chagrine. Le dromadaire, il est comme ça et la corde, elle est comme ça. Elle est droite. À mon avis, la corde, elle devrait être dans le même sens que le dromadaire est. Tu m'as compris? Donc pour moi, je te dis que c'est un fake. Et c'est une photo réelle. D'accord, ok. Je vais arrêter de faire mes diagnostics parce que c'est vraiment de la merde. Bon, de l'eau. Allez, photo suivante. Alors là, je suis désolé, mais là, il y a tout de réel. Mais juste parce que c'est réel, c'est faux. Tu m'as compris. Juste parce que c'est trop réel, c'est trop faux. Non, il y a un. On va faire fake. Et c'est une vraie photo. Mais putain, mais on va pas trop bien tirer une photo, bordel, là. Non, mais je croyais que j'étais fait pour faire des vidéos comme ça. Mais non, à chaque fois, c'est pas bon. Bon, allez, courage. Et là maintenant, sans faute. Donc, faut pas réfléchir. Donc, ça, déjà, c'est sûr, c'est du fake. Hop, tu fais fake. Mais. Comment tu peux faire ça avec du sable? Non mais c'est pas possible. Bon allez, maintenant enfin sans faute. Alors là c'est un... Ah d'accord, ok. Un poisson qui se fait bouffer par un autre poisson. Donc ça, non, ça c'est sûr que c'est du fake. Voilà, non, ça pouvait être une bonne photo parce que moi je suis pêcheur, tu vois. Moi je suis pêcheur de carpe, de brochet, de tout. Mais là, non, tu vois, c'était fake, c'était obligé. Parce que techniquement, elle pouvait pas ouvrir la bouche tant que. Ah non, c'est assez chelou ce que je viens de dire. Surtout que là, on parle de poisson. Allez, photo suivante. Alors, une voiture au milieu d'un champ de paille. Alors, ça, non, là, il y a tout pour être fake. Mais juste parce que c'est fake, on va mettre photo. Et oui, non, faut pas voir, il faut pas se compliquer la vie, c'est fake. D'accord. Donc, en gros, ce site a décidé de me faire péter un câble. Non, tu vois, j'ai compris, faut pas se prendre la tête. Là, regarde, hop, là c'est neuf, elle est dans la mer, mais juste parce que hop, c'est fake. Ah non, une photo, non, mais comme si il y avait une meuf, elle pouvait aller marcher sous l'eau. Non, mais c'est truqué ce site. Ou alors, attends, il aurait pu utiliser le fond vert. Mais pourquoi tu me l'as pas dit aussi, toi? Alors ça, c'est photo pas fake. Parce que ça, c'est trop beau. Tu vois, là, le mec, il a bien pris la photo, tu vois, pour pas dire que c'est fake. Tu vois, on va faire photo. Et c'est une bonne photo. Oui, non, mais c'était trop beau pour être vrai, ça. Allez, on est bien parti. Deux bonnes réponses. Non, mais c'est moi aussi. Je me prends trop la tête. Faut pas se prendre la tête dans les trucs comme ça. Regarde, là, par exemple, là, c'est un Pokémon. On va faire un photo réel. Et c'est photo fake. Pourquoi j'ai dit c'est un Pokémon? Excusez-moi, mais plus ça va, plus les Pokémon sont bizarres. Donc ça, c'est un Pokémon. Excusez-moi. Tiens, on va lui donner un nom, ça. Moi, je l'appelais Flory Fake parce que je me suis gouré, du coup c'est fake. Oh, mais poulet, donnez-lui un nom en commentaire au Pokémon là. Non, mais moi c'est Flory Fake, j'ai trouvé. Ensuite là, le ciel est parfait, la barque est parfaite et le. Ah, l'eau est trop parfaite pour que ce soit une belle photo. C'est pour ça que maintenant c'est une photo et oui, voilà! Aïe, j'ai mal aux mains. Ouh. Alors ça, si on me dit que c'est une vraie photo. Non, mais là si c'est une vraie photo, je pète un câble. Non, là je vais aller sur fake et ça. Alors ça, la vie de ma mère, si c'est pas une photo normale. Ah non, mais là j'arrête la vidéo. Là, si c'est. Ah, c'est bon. Attends, j'ai eu peur. Hein. C'est bon, maman, t'es tranquille. Alors peut-être que le mec il tient des ballons de hélium et du coup, bah il peut bouger, mais sauf qu'il y en a pas assez. Alors c'est pour ça, on va faire photo fake. Voilà, non, c'était prévu. Maintenant, ça nous fait deux bonnes réponses d'affilée, c'est correct. Là maintenant, on va dire que c'est une photo normale parce que voilà, c'est obligé, tu vois. Et ça nous fait trois photos correctes d'affilée. Et c'est quand même pas mal. Hein. Là, je sais que c'est une photo normale, mais.
Et oui, voilà, les 4 photos d'affilée. Bah, oh putain, on est trop fort, hein. Mais non, mais regardez, ça s'est vu, l'écureuil. Mais t'as vu, on dirait Thibaut InShape, le mec, t'as vu. J'espère que vous allez bien. Dédicace à la dinde au passage. Alors ça, je suis prêt à croire que c'est fake, mais je suis sûr que c'est un peintre qui lui a dessiné au dos. Alors on va faire photo normale, et voilà, 5 photos d'affilée. Attends, si on arrive à 6 photos d'affilée, mais je hurle. Alors cette photo, pourquoi c'est tombé là? Comment veux-tu que je sache? Une tortue, est-ce que ça saute? Et avec un truc, mais c'est pas un chien, ça rattrape pas un frisbee. Calmer, c'est bon, si, bonne réponse. Une voiture sans roue, alors ça c'est les vieilles voitures, je suis sûr c'est bon parce qu'en plus il y a l'image en noir et blanc, c'est obligé que ça soit photo normale. Ça m'a saoulé, tiens. Donc voilà mes poulets, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'aurais réussi à faire 6 bonnes réponses d'affilée. C'est quand même bien, c'est quand même pas mal. Si cette vidéo t'a plu, je compte vraiment sur toi pour me bombarder cette barre de likes. On va tenter les 7000 likes pour un nouvel épisode simplement. Je compte sur toi mon poulet. N'hésitez pas à me poser des questions et des défis en commentaire pour ma prochaine FAQ. T'auras peut-être une chance de passer dans la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Snapchat, Twitter, Instagram et Facebook. Je suis très actif en plus. À activer les notifications pour voir mes vidéos avant tout le monde. Et puis sur ce, mes poulets, je vous dis... Abonne-toi.